C'est mon fils. Salut Timéo. Ah, oui, c'est Pétula. Coucou mon chéri, ça va? Ah, 3 heures devant la PlayStation? Ah bah c'est un record ça. Mais écoute, reste encore 2 heures devant. Comme ça, moi j'en ai pour 2 heures. Donc après, je reviens et puis après goûter. Oui. Bisous. À tout à l'heure. Bisous. Tu le laisses 5 heures devant la PlayStation? Bah oui, pourquoi? Bah. On est où là? Bah à Drancy. Super. C'est quoi la thématique aujourd'hui? La parentalité. Ouais. Bah oui, je crois que ça va te faire du bien. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? C'est tu là. Tu vois, tu cherches tout le temps un petit peu. Bah, je crois qu'on est arrivé. Bah ouais, voilà. Alors, école maternelle Marcel Cachin. Ah, oui. Bon bah on va attendre. On est à l'antenne. Oui mon chéri. Oui. Le coca. Alors le coca, c'est dans le deuxième. Deuxième le placard. Coca, le coca. Là, tu prends les bonbons qui sont à côté, oui, oui, bien sûr. Bah, tu manges ça pour le dîner. Bisous mon chéri. C'est la fête quoi? Hein? Oh écoute. Ah c'est Noël, c'est joyeux anniversaire. On n'a qu'une vie. Est-ce que c'est facile d'être maman? C'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même c'est formidable d'être maman. Et alors Isabelle, oui. vous venez chercher qui aujourd'hui là? Ma nièce. Elle est gentille votre nièce? C'est une petite fille, c'est une bonne vivante. C'est une bonne vivante. Tout à l'heure, est-ce qu'on pourra l'interviewer pour savoir si elle aime bien sa tante? Si elle vous répond, ça va être... Elle est quand même timide pour le coup. Pour être parent, vous avez lu des livres? J'ai lu des livres. Oui, pour être une bonne parent. Ah non, non. Bah, non, je pense que c'est au feeling. Après, chacun a sa façon de faire. Mais on s'adapte plutôt aux enfants. On s'adapte. Ouais, on s'adapte. Vous vous êtes vu changer alors comme parent? Ah oui, bah oui. Puis tout change, hein. Tout. Notre quotidien, il change. Ça, c'est sûr. Vous attendez qui à la sortie de l'école? Mon fils. Votre fils, il a quel âge? 4 ans. 4 ans? Oui. Et là, je vois qu'il y en a un autre petit. Oui. Qui a quel âge? Il a 3 ans. Est-ce que c'est facile d'être maman? C'est un peu difficile. Ah, c'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu difficile. Ah, pourquoi c'est difficile? Les enfants, il faut beaucoup de temps pour les enfants. Vous avez le temps, assez de temps pour oui, eux? Oui, mais je travaille pas. D'accord. Oui, je travaille pas. Je suis infirmière. Hein? J'ai décidé de ne pas travailler. J'ai décidé de rester avec mes enfants. Est-ce que c'est difficile d'être enfant? Non, je l'adore. Alors, c'est notre premier papa. Et oui. Comment il s'appelle, notre premier papa? Ludovic. Ah, Ludovic. Oh, Ludovic. Alors, Ludovic, oui. Ça fait quoi d'être papa? Ben, c'est le top, pouvoir amener ses enfants à l'école, s'en occuper. Voilà, c'est la vie de tous les jours, mais c'est ce qui est sympa à faire. Voilà. C'est facile d'être papa? C'est pas facile, ça demande des efforts, mais bon, on le fait de bon cœur, donc c'est forcément c'est facile au final. Hein. Est-ce que tu as un bon papa? Ah. Ben, il faut dire oui. Il faut dire oui. Et vous, est-ce que vous considérez que vous êtes un bon papa? Je pense oui. Après, on n'est pas parfait, mais j'essaye en tout cas d'être au top, hein, évidemment. Bonjour Carole. Alors Carole, on est en face de l'école. Qui est-ce que vous venez de chercher? Ah, je travaille ici. Vous, Carole travaille ici. Oui. Qu'est-ce que vous faites? J'assiste la maîtresse dans les ateliers et le soin et la propreté des enfants. Super. Et alors, est-ce que c'est difficile le rapport avec les enfants? Est-ce que parfois il y a des moments plus faciles que d'autres? Il y a des jours, oui, qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. Ça dépend aussi de la forme de l'enfant. Hein. Des fois, ils sont très excités ou un peu endormis. Ça dépend des jours. Et alors, question piège. Vous êtes prêts, Carole? Est-ce que vous avez des chouchous? Ah, humainement, bon, on a toujours un petit peu des chouchous, mais on essaye justement d'éviter. C'est facile d'être maman de 3 enfants? Pas tous les jours, mais on fait avec. Vous faites avec. Comment vous faites avec? Oui, il ne faut pas en faire 3. Faut pas en faire 3, d'accord, c'est bien. Vous avez fait 3, mais après vous dites aux parents, n'en faites pas 3. Combien? 2, c'est bien. 2. 2 enfants, pas plus. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne maman? Je pense que toutes les mamans pensent qu'elles le sont parfois et parfois non. On a tous nos défauts, nos qualités. Voilà quoi. D'accord. Bon, on va essayer de voir avec Kiyad ce qu'il en pense. Tu es avec ta maman? Est-ce que ta maman c'est une bonne maman? Oui. Je vais pas te taper hein. Mais pourquoi c'est une bonne maman? Parce qu'elle est gentille. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'être papa et maman? Non. Non, pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il faut acheter les courses, il faut les garder, il faut trouver l'école si c'est dur, les déposer tous les matins et les chercher après le soir.
Ouais, dis donc, vous avez vu, elle a bien réfléchi, hein. Et toi, tu penses que c'est facile d'être papa ou maman? Non. Non? Pourquoi? Parce qu'on doit s'occuper des enfants. Parce qu'on doit s'occuper des enfants. Ce serait quoi, vous, si vous étiez un papa ou une maman? Tu ferais quoi? Tu veux rester avec maman toute ta vie? Bah, je comprends, hein. Moi aussi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien rester avec ma maman toute la vie. Est-ce que c'est facile d'être parent? Oui, c'est facile. Hein. Pour moi, c'est facile parce que j'ai une mère à 5 enfants, 3 petites filles. Je suis mamie. Oh là, bravo! Oui. Une jeune mamie. Et là, on a qui avec vous? C'est mon père, 5e garçon, moi. 5e garçon? Oui, j'ai 5 garçons, 24 ans, 21 ans, 17 ans et 8 ans, et petit garçon de 6 ans. Et toi, est-ce que c'est facile d'être enfant? Ouais, c'est plutôt facile. C'est facile d'être parent, c'est facile d'être enfant, bah c'est parfait tout ça. Moi, je sais, c'est normal, parce que je suis femme, je vais marier, je vais faire ma vie, je vais coucher les enfants. Après, c'est la mort. Ah oui, c'est radical. La vie, c'est trois choses. Marier, les enfants, après, c'est la mort, hein. C'est une vision, ouais, oui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on se demandait... si c'était facile d'être parent. Ah ben écoutez, on apprend tous les jours. J'ai pas le mode d'emploi pour être un bon père, mais j'essaie au quotidien de l'être. Tu as un chat. Ah, le chat sortait pas. De quel étage? Du deuxième. Après, je peux pas vous dire ce qui m'est arrivé. Après, il est arrivé dans un nouveau jardin. On a trouvé un jeune parent. Voilà. Vous avez un enfant? Oui, effectivement. Quel âge il a? Il a 2 ans, là. 2 ans? Mais vous êtes jeune, non? Ouais, je suis jeune. Ça fait quoi d'être papa? Voilà, en fait, le premier jour, madame, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Voilà, quand ma femme m'a dit ça, j'étais content et j'étais aussi très, très surpris. Vous voyez? Ça veut dire, voilà, c'est un enfant, faut l'assumer. Voilà. Et là, bientôt, j'attends qu'il fasse ses 3 ans, 4 ans, comme ça, je le ramène à la crèche, tout ça, avec mon fils. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est facile de s'occuper d'un petit? Franchement, c'est pas facile, hein, c'est compliqué, mais faut savoir tenir le choc. Vous voyez? Surtout qu'il est célibataire. Surtout que voilà, sa mère, elle est partie. Voilà. Et vous essayez. Et c'est quoi être un bon papa alors? Un bon père? Ouais. C'est d'être avec son fils, d'être là, de faire des activités avec lui, de lui faire comprendre la vie aussi et le rôle d'un parent. Voilà. Mais c'est ce que vous faites? Effectivement, c'est ce que je fais tous les jours. Ah bah c'était bien hein, cette émission sur la parentalité. T'as appris des trucs, non? Merci à maîtresse ma fille. Allô? Oui madame, votre fille, ça fait 3 heures qu'elle attend pour l'école. Ah merde, j'ai oublié ma fille. Ça fait 3 fois cette semaine. Oui, bah excusez-moi, je suis désolée. Bon bah je file hein, salut. J'arrive. Ouais, c'est aujourd'hui, hein. C'est merveilleux, il nous klaxonne. Bah alors, elle est où ta maman? Bah, sa maman est pas encore arrivée. Bon,